Mais tu peux même filmer nous, on est cachés. On en a marre des PV. Oh putain. On a même Joe Lenjeng. Sancho. Sancho Latouille. Baraka Cabana. Pour ceux qui pourraient se demander pourquoi on est camouflé. C'est pour la répression. Voilà. Cette répression vraiment, vraiment. On a un budget amende qui est épuisé. On n'en voilà. C'est même pas de la répression, c'est de l'oppression. Il faut savoir que la lutte coûte cher. C'est ça. On en paye assez, autant en prison, en sursis ou en amende. Alors ils ont un flambeau sur poste ce que j'ai à payer. Là, c'est un scandale. Il faut que les gens comprennent bien que ça nous coûte aussi de militer. Et on lâchera rien, c'est entendez. Moi je crie plus. Donc voilà, on est là, je suis très très content de vous voir parce que voilà, on s'est rassemblés. Ah, ma couille coupée en montage. Voilà. Ils ne savent pas encore les revendications. Putain, toutes les semaines, ils nous demandent mais qu'est-ce qu'ils veulent les gilets jaunes. RIC. Ils savent ce que ça veut dire RIC. Ils ne savent pas le RIC. Voilà, RIC, on veut une 6e République et tout ceci en découlera qu'il y aura un pouvoir d'achat qui sera en cohérence avec la nécessité des gens qui sont dans le besoin. Voilà ce qu'on veut en fait. Tout part du pouvoir d'achat, que les gens puissent vivre dignement de leur salaire ou de leur retraite. Et comme le salaire... Comme les pensions, les retraites sont directement liées aux revenus, si les salaires sont des salaires de misère, les retraites ne peuvent être que des retraites de misère. Voilà, donc les revendications se résument à un seul et unique mot, pouvoir d'achat. Après le reste, c'est les moyens d'y accéder. Hein, donc le RIC, une 6e République, voilà. On ne veut plus de ce système. C'est fini ce système. C'est pas le culte de la personnalité, un élu, non, terminé. C'est un programme et un programme établi par les gens, par le peuple, les gens qui ont besoin de vivre dignement. Encore une fois, je me répète, de vivre dignement de leurs revenus. Voilà, quel qu'il soit, que ce soit un salaire, que ce soit une retraite, il faut qu'ils puissent en vivre dignement. Il faut arrêter l'assistanat. C'est pas de ça qu'ils veulent les gens. Et puis ils veulent payer des impôts, les gens. Ils veulent payer des impôts, tous, même les petits revenus. Mais il faut que l'impôt soit juste. Et ils veulent savoir où passe l'argent des impôts, surtout. Parce qu'on veut des écoles à la hauteur pour l'avenir, nos enfants, nos petits-enfants.
On veut une sécurité sociale à la hauteur. Je le sais, j'y ai travaillé pendant des années. Elle nous a échappé complètement depuis 1945. Voyons ce qu'ils en ont fait, n'est-ce pas? Et puis, tous les services publics, quels qu'ils soient, l'hôpital, tout ça, ça doit être financé avec les impôts. Donc, il faut des impôts. Par contre, il faut que l'impôt soit juste. Il faut qu'il soit justement réparti. Et c'est pas ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et clap deuxième. Mais la police est en colère. Dans une minute j'arrête par terre. Je suis endommagé. Je vois pas ce qui se passe à la TV. Il a fallu d'un deal. Je me rase gazé pour voir que c'était vrai. Je jongle entre deux émotions. Même si tu vis bien, que t'as pas besoin de militer, rejoins les gilets jaunes pour retrouver de l'humanité. Il y a de l'entraide et du partage. Je vous invite à descendre. Vous comprendrez que c'est de la police que l'on doit se défendre. Combien de cabanes sur les ronds-points dont il reste que des cendres. Des souvenirs de partage de cadeaux le 25 décembre. Dans le cortège, c'est joyeux, il y a de l'amour, les gens chantent. Et puis un policier jette une grenade parce que ça l'enchante. Donc tu peux marcher et t'en prendre une dans les pieds. Concrètement, dedans, il y a 25 grammes de TNT. Tu peux venir manifester et finir en PD. Plutôt que d'appeler la banlieue, il serait temps de virer les yeux et de réclamer des choses pour eux, sachant que la violence policière qu'on vit depuis quelques semaines est dénoncée depuis des dizaines d'années au lieu des HLM. C'est la guerre, Macron, c'est la guerre! Sachant que l'humanité s'abat sur le bon coin, soit de demain, on se bat main dans la main pour nous, nos voisins, nos parents, nos bambins, de l'île à la Corse, la France comme le torse, tu casses. Alors pourquoi on peut pas vous voir là pourquoi on peut pas vous voir les cagoulés là? Qu'est-ce que vous revendiquez vous? Envoyé spécial, il faut trafiquer ma voix là. Vous m'floutez. Justice sociale, vous mettez le robot. Police partout, justice nulle part, y'en a marre. Les accès c'est trop cher, j'ai voulu mettre les sens, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. Faut cotiser par si c'est trop cher. Faut cotiser par là, c'est trop cher. Faut cotiser, c'est trop cher. C'est gratuit. T'as rien à perdre. Bon, chaque fois qu'il y en a qui filment, j'y ai droit. Dédicace à Perne, moi je le dis. Dédicace à Perne. Ah, merci. Et là, voilà, ils sont là. Merci à Perne. Et vos plus en force, on est là. Et on lâchera rien, regardez. Ouais, on lâchera rien. Les anciens ils sont là, les jeunes ils sont là, tout le monde est là. C'est bon, eh ben tant mieux. On me verra sur ta vidéo alors. Il n'y a pas de souci, on te verra sur ma vidéo. D'accord. On est pas né dans un palace, on n'avait pas la CDA à papa. SDF, chômeur ouvrier, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes. On lâche rien, on lâche rien.
Ils nous parlaient d'égalité. Et comme des cons. On lâche rien. On lâche rien. Alors nous sommes ce soir à Avignon Nord, dont le péage a été repris par les Gilets jaunes. Donc vous avez vu que sur certaines des vidéos, les visages ne sont pas pris. Tout simplement parce qu'ils m'ont interdit de les filmer. Ils ne veulent pas être filmés, bien entendu, pour des raisons de sécurité. Tu vas nous mettre où là? Tu me mets où là? Qui s'en prennent pas au patrimoine. Tu vas pas me mettre sur le journal quand même. C'est fou comme ils sont protégés. Pourquoi tu veux pas être sur le journal? Oh ben, je sais pas, mais... Sur Internet, ça te va? Internet, encore, bon... Et quand? Ce soir, le président devait parler. Tu attendais quoi de lui? Ben, j'attendais qu'il nous donne quelque chose de bien. Mais je vois qu'il s'est encore foutu de nous, comme d'habitude.